le SOS du jour et il est signé, écoutez. Céline Dion. Céline Dion a lancé un appel de détresse il y a quelques semaines. Elle a demandé quelque chose de très particulier à ses fans et elle en a reçu plus de 4000. À votre avis, elle a demandé quoi, Céline Dion ? Des sextoys. Non. Pas des sextoys. Non, elle a demandé des chansons. Oui, exactement, elle a demandé des chansons. En fait, elle a proposé à ses fans de participer à son prochain album en français en lui envoyant des chansons et elle en a donc reçu plus de 4000. Et Céline Dion, en fait, a dit que, bon, parmi ces 4000 chansons, il n'y avait pas que des tubes, mais quand même des choses intéressantes. Ah ouais. Enfin, ce sera tout de même dur, voilà, pour tous ses fans, d'égaler ça, par exemple. Ah, j'adore. Est-ce qu'on peut pas nous remettre l'autre, là ? Mais c'est bien, ça. Ah, Cyril danse, faut le dire. Gagnant de l'Eurovision. Ouais. Et ça provoque un déhanché chez Cyril. Et il la connaît par cœur, c'est ça qui est dingue. Vous savez que c'est. Elle fait partie du top 3 de mes chansons préférées, ça là. Mais vraiment. Ah c'est quoi le top 1? Ah, mais j'adore. C'est vraiment. C'est, je la mets tout le temps. Ah ouais. Quand je me réveille le matin, je fais comme ça. Il y a des gens qui, parce qu'il y a des gens qui partent de chez moi, je fais ne partez pas. Les mecs qui veulent partir de chez moi, ne partez pas sans moi.